brought by Shuriken Music. T'envoies du son, engagement d'HK, on fait tourner le ballon comme l'Atletico. On mène le game, on lâche pas le ballon en un an, 90% possession. Quatrième minute, c'est l'heure du briquet. Tiako va faire gestueler tous les cerveaux. Alors salut tout le monde, c'est Gab Morrison. Pour ce nouvel interview, je suis avec un joueur du GSA, c'est Kevin Mbaitoubam. Comment tu vas mon gars? Ça va et toi? Ouais, on est là toujours, je te laisse un petit peu te présenter déjà. Vas-y. Bah c'est Kevin Mbaitoubam, j'habite à Bordeaux, j'ai 17 ans. Je suis au GSA depuis que j'ai l'âge de 10 ans. J'ai commencé ici et je suis toujours au GSA. Ok, alors qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer le basket quoi, Alors moi, à la base, je faisais du judo. Mais j'en avais marre un peu, c'était individuel et tout. Je voulais changer. Et mon meilleur pote, il faisait du basket déjà au GSA. Du coup, je l'ai suivi, hein, j'ai accroché direct. Et alors déjà, qu'est-ce que tu penses de la première partie de saison du GSA? La première partie de saison, on a bien commencé, des victoires. Mais là, les derniers matchs, c'est des défaites, donc on peut être que déçus. Mais franchement, avec l'effectif qu'on a, on peut envisager mieux. Ok, là, alors du coup, on est au derby de l'Atlantique, là, contre La Rochelle. Déjà, comment ça se fait qu'on ne voit pas sur le terrain et qu'est-ce que tu penses de cette première période? Bah, moi, comme je suis jeune, je fais les entraînements et en fonction de ce qu'il a besoin, il m'appelle ou pas pour que je joue. Je suis encore partenaire d'entraînement. Voilà, c'est pour ça que je fais ce match. Est-ce qu'une montée en Pro B, ça peut être envisageable pour le GSA? Oui, c'est envisageable. Franchement, c'est dans le projet. Ils ont fait une équipe pour, ils ont recruté des gars très forts. C'est pour monter en Pro B, hein. c'est le projet. Mais bon, même si ça se fait pas cette année, c'est le projet. Et à 17 ans, est-ce que c'est difficile peut-être de se faire une place dans l'effectif? Ça pourrait être dur, mais franchement, les grands, ils sont sympas avec moi. Ils nous intègrent bien, nous les jeunes. Ils donnent des conseils. Ils sont bien, ils sont top. Hein. Ils sortent avec nous même, hein, la nuit et tout. Donc, ils sont là, ils sont bien. Ok, tranquille alors. Ouais. Alors justement, la suite de ta carrière, enfin, les prochaines saisons, tout ça, tu les vois au GSA ou un jour tu penserais peut-être bouger? Non, là pour l'instant, je reste au GSA. J'essaie de grappiller un peu les échelons, faire un peu ma place dans l'équipe là avec eux. On verra par la suite. Hein. Il y a une question que j'aime bien poser aux basketteurs aussi. Ton ouais. Équipe NBA préférée, c'est laquelle? Moi, c'est Golden State. Hein. Ah, Golden même State. Depuis le début, je sais pas juste parce qu'ils ont percé, moi, c'est depuis. Ouais, bien depuis. Vu. Il y a la dernière question aussi que je dis à tout le monde en interview. Est-ce que tu as d'autres sports préférés? Ouais, j'aime bien le foot. Je faisais du foot aussi quand j'étais petit. Là, la Coupe du Monde, ça m'a redonné l'amour du foot aussi. Après, j'aime quoi? J'aime bien le volley, j'aime bien le hand, j'aime tous les sports en vrai. Hein. Football américain, ça j'aime bien aussi. Ok, voilà. En tout cas, merci à toi mon gars pour la participation. Et force, hein, bonne continuation pour la suite. Merci. Hein. Force, allez, ciao tout le monde.